Descendre, c'est plus possible. Mais on est d'accord que moi, j'ai une impression sur le jeu que notre note descente à nous marche moins bien que l'IA. Genre, je m'explique. Quand on contrôle un mec qui a genre 70 descentes, j'ai l'impression que c'est un enfer et que je suis incapable de suivre ne serait-ce qu'un mec qui a 75. Alors que par contre, quand j'ai un mec qui a 80 descentes, je suis incapable de lâcher un mec qui a 71. C'est une dinguerie, hein. Parce que là, on avait 80 descentes, gros 71, il m'a tenu en laisse. C'est une folie. Alors qu'il n'y a que des lacets de fou. Et je suis sûr que c'est l'inverse, mais le 90, en deux virages, je lâche la roue, je me fais dégommer, hein. Si j'essaye de suivre un mec qui a 80 devant moi, là. Je me fais enculer quand j'ai un personnage en descente. Je l'ai fait en perso, j'ai fait un perso à la Laf avec 80 descentes, je lâche personne. Ah oui, non, mais j'ai cette impression de fou, hein. Aussi, hein. C'est une dinguerie, hein. Bon, on a la meilleure note pavée de l'équipe. Est-ce qu'on sera leader pour le DS? J'ose espérer quand même. Bon, et le fait que les IA en Pro Cyclist peuvent avoir des pics de forme, mais nous, ça n'existe plus, on peut pas en avoir, faudra en parler ça aussi un jour. Les trois favoris, Trois-Visma, Van Aert, Van Baarle, Laporte, il n'y a pas VDP. C'est parti. C'est confirmé. Il n'y avait pas besoin de confirmer. On le sait depuis le premier jour, il n'y en a plus. Tu peux plus mettre d'objectif ni de pic de forme en Pro Cycliste. Par contre, ces bozos, ils ont fait en sorte qu'en Pro Cycliste, il n'y a plus de pic de forme. Mais l'IA en Pro Cycliste que tu affrontes, ils ont encore leur pic de forme. Du coup, sur le tour. Vingueux, vous verrez cet été, sur le tour, il aura plus 3 tous les jours. Nous, on va pouvoir se taper des moins 3, des moins 2, des machins. Il y a un qui s'était caché. Oh non, 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 pas du tout. Putain, je suis même pas leader là? C'est démarre? Arrête. Mais 72 pavés, mes frères! Je vais arriver sur OV, on va me dire tout démarre, tu roules. Non, non, on se fout de ma gueule là. Le problème, c'est que là, du coup, si je roule pas, je suis baisé là. Putain, ouais, vas-y, tu sais quoi, je roule pas, tant pis. Fuck le DS. Dans ton calendrier, normalement, saut. Table de demain, Paris-Nice, c'est modifié. Ça existe encore que 36, hein. Certaines équipes ont pris l'allure du plus 36 et Tudor, c'est deux équipes différentes. Bah, regarde. Bah, Q36, ils ont des bons coureurs en plus, hein. On les a vus ce début de saison là. Chute massive dans le peloton. Chute massive! Ça paraît pas, si. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Il y a moyen que non, en vrai. T'as peut-être raison. T'as sûrement raison, même. Mais en vrai, il n'y a pas un moyen en allant voir les objectifs des coureurs qui ont cet objectif-là et tout. Je sais plus. A, B, C, le pic de forme. Non. Non, non, tu verras, check quand t'es dans les blocs A, qui sont censés être les plus hauts, et représenter un pic de forme, entre guillemets. Dans le menu d'avant-course, t'as pas le bonus, comme là, Louvel avait, en mode préparation d'objectif, genre. Le truc de bloc, c'est juste pour ta forme, la forme que tu vois là.
Putain, tant que j'y pense, faut que je mette la vidéo. Opama sur Twitter et Insta. Ta la ta ta la ta 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 la ta ta. Wesh, Twitter, lance-toi, chef. Twitter n'a pas envie de lancer. Wesh. Super, enfin. Miniature, PCM23, hop. Voilà. Si donc les courses, on peut le voir. Ok. C'est quand il grêle. Faut que je regarde la date exacte, mais il y a le temps, c'est ça durait un mois, donc c'est au moins jusqu'au 20-21, je pense. Par là. Je sais plus c'est quand le premier live on l'a fait. Ah ouais, les monts pavés, les monts pavés. Putain, on va devoir se débrouiller tout seul encore, hein. Go 300. Mais c'est full buggé, on sait pas ça à combien, ça fait 3 jours qu'il est buggé le truc. Et oui, ils me répondent pas, c'est une dinguerie. En gros, là, on est à bien plus de 269, juste le widget ne marche plus. C'est de faire péter le peloton et il démarre sur le premier secteur. Ouais. Après, il va péter tout seul comme un grand, Théma. Là, il va prendre une cassure. Voilà. Oh, bon, même quand il y a les cassures, le DS, il s'en bat les couilles, hein. Ah non, le DS a pas trop envie, hein. Tu vois. Putain, merci, tu peux souffler. Ah putain, ouais, j'ai trop travaillé pour te ramener, Arnaud. Merde. Merde, merde, merde. Dans un passage à plus de 10%. Si qui accélère, hater, t'as tous les Visma qui sont là. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. Putain, Guinness, il y a 70 partout, je suis mort. Mais il a pas une stat haute, à part la plaine et le physique. Ouais, on est dans le bon coup, on est le seul dans le bon coup. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Attendez, hein! On y suit par Van Aert! Van Aert nous prend au sérieux! Ça, c'est beau! Bévor, Küng, Moritz, Coleman, Vermeersch. On est en train de sortir à deux!
Matej Moric vient de porter une attaque. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Oh. Bon, après, j'ai été la rampe de lancement parfaite, tu vas me dire. Ouais. Mais là, attends, y'a personne qui a envie de gagner là ou. T'es ma... Ouais, bah non, Visma, ils vont pas rouler, je suis un peu bête. Y'a pas d'équipe représentée à deux là. Les coffres là. Pas où laisse finir, y'en a pas. Écramé. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. La sélection par l'arrière se poursuit. Ah, on est bien sorti à 4 là. Ok, on va revenir sur le groupe de tête. C'est pas mal, c'est pas mal. Équipe en or. Je suis encore sur Paris-Nice. Je suis dégoûté, je me suis trompé de maillot. Attaque de Louis Aski. On annonce la chute d'un coureur. Encore 10 km à parcourir. Philipsen qui revient. Faudrait qu'on tourne entre nous. Aulès, relais, Madouas relais. Pourquoi il relaie plus Van Aert là? Sale rat. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Bah GG les 8 hein. Quoique. Ah ça va être dur quand même, il va pas tenir. Il va pas tenir les 8. Ah, pff, si ça se regarde trop, il va tenir, hein, même sans barre. Hein. Allez. Allons chercher une place qui s'impose. Aski ou Vermeersch? Vermeersch, c'est terrible pour Aski. Van Aert fait 3, 4 Schelling. Et nous, on va faire 7 derrière Madouas. Aïe 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 aïe. Dommage la crevaison à un moment pas fou, on a dû faire des efforts pour rentrer. Ouais, ouais. Du jardin, bah, je crois que du jardin il était dans l'échappée hein. Ouais. Encore les frères Madouas qui se suivent. Putain on se lâche plus hein. C'est quand que t'attaques, putain. Tu regardes pas Session du Nord depuis le début, t'as toujours une merde. Ah, bienvenue sur PCM. Bravo, démarre 95ème. Bravo le DS, c'est un bon choix de leader ça. Moi je fais 7ème, 18 points. Bon, on monte petit à petit. On va dire direction Gant Wevel Game. Y'a du vent! J'adore le vent. J'adore le vent. S'il vous plaît, pas de crevaison au moment de l'attaque. Laissez-moi être heureux. Genre tu vois le truc prépa. Non on n'aura jamais de plus chef. Alors que des cœurs lui. Il l'aura. Van Aert, Pedersen, Ghana. Il a quoi fait VDP? Wesh. Oh ouais ça vit bien hein, chez les nerds. Non par contre VDP il a pas un truc. Pourquoi il est là nulle part?
On va être parfait pour Roubaix là. On va être parfait pour Roubaix. Et je voulais voir quoi, oui, ici. Pourquoi il court jamais? Prêt à courir pourtant. Il a la flemme, genre? Ah ouais, flemme du vélo. En plus, pas fou hein, le début de saison. Hein. Putain, finito Mathieu. 31 ans, c'est ciao. Il a gagné son maillot vert. Il a regagné un round. Et ça y est, c'est fini. Il se prépare pour le tour. Qualification, t'adores le vent quand t'es leader, c'est vrai. En plus, là, vu que c'est Gamble Game, c'est encore plus axé plaine. Bon, ils vont me foutre des mares ou des cœurs favoris ou leader, quoi, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, j'espère vraiment que pour Roubaix et le Ronde, ils vont pas me sortir un coup à Sénéchal leader. Parce que bon. Là, je vais la prendre mauvaise. La compétence pic de forme, ça te sert à, je crois, c'est à accumuler plus de, je sais plus comment ils appellent ça, mais les trucs ABC là, tu peux en enchaîner plus d'affilée pour ta forme. Putain, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, Remco. Son interview d'après-course, là. Bon, il dit clairement qu'il avait de très bonnes jambes, de bonnes sensations, et que juste, il fait une erreur de ne pas suivre l'attaque des trois. Et si c'était une classique, il les aurait suivis, mais là, il a trop réfléchi. Et c'était trop tard. Il n'a pas la même mentale en classique qu'en course par étapes, c'est une dinguerie. Hein. Il faut qu'il arrive à faire le switch. Hein. Le cerveau, il réfléchit trop et il veut trop en garder pour les jours d'après. Il réfléchit trop à la suite. Alors que juste s'il court comme Poga et Vingegaard en s'en battant les couilles, en courant son vélo à lui, je vous jure que personne ne le suit aujourd'hui, genre. Bonjour à vous. Salle C'est une dessert, course ouais, de fou, hein. difficile qui présente de nombreux secteurs pavés. Les vélos vont être mis à rude épreuve. En vrai, la dernière étape, dans tous les cas, je pense qu'il la jouera comme une classique. Oh, leader outsider, j'adore. Un moins un, mais j'adore. Dimanche, il la jouera comme une classique parce qu'il y a rien de le. C'est la dernière, et le lendemain, il n'y a rien. Donc, ça peut être une masterclass. C'est mature. Non, mais sur les CPE, il réfléchit trop. Il se prend trop la tête. Alors que juste il débranche le cerveau et il court à l'instinct comme il court les autres courses. Il devient inarrêtable, hein. Je pense que ça va être pareil sur le rond des Roubaix. On va avoir toute l'équipe mais pas Sénèche. Ça risque d'être ça. Et peut-être que Sénèche se débloquera en fin de course si jamais on est que deux. Après, il est jeune, il apprend. Mais bon. Ça lag de fou, putain, c'est une dinguerie. Hein. Déteste Gamble Game. À quel âge? Il a 22, là, Remco, non? 23?
C'est un 2000? C'est l'année de ces 23 là, je crois. Mais je sais pas s'il les a déjà eu ou s'il a. Ah putain, mais oui, année des 24, je suis un connard. On est en 2024. Oui. Il est sur l'année de ses 24. C'est quoi, c'est un fin d'année, Remco? Ah, c'est un début d'année, 25, il vient de les avoir, ok. Putain, il se fait baiser pour les maillots blancs, c'est un début d'année. L'année prochaine, c'est sa dernière année maillot blanc. Mais non, justement. Non, je suis con. Justement, c'est bien. S'il était pas de... S'il était fin d'année, c'était plus chiant. Oui, justement. Oui, pardon, je suis bourré. Wesh. On a fait la rampe de lancement sans le vouloir, là, pour les... Ils sont partis à 4, là? Coy, Vandenberg, Laporte, Van Aert. Ah ouais, ça vit bien, hein. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Peur de craquer le lendemain, dommage. Ah oui, mais quand il arrêtera d'avoir peur des lendemains et qu'il arrêtera de réfléchir aux autres étapes... ça sera tellement stylé. Moi, ça me frustre. Hein. J'aimerais tellement voir Remco sur ce parrainier. J'aurais tellement aimé voir Remco comme quand il court la Figuera classique, comme quand il court Saint-Sébastien, comme quand il court Liège. Au paramédic. Le rythme à poser est vraiment très fort. Si la prochaine c'est mardi, j'ai dit. Dans les moments à venir. Si on atteint mardi, on en fait une mardi d'Happy Hour. Putain. Bon, quand c'est pas moi, c'est sur les copains que ça déteint. Oh bah super. Yes. On va essayer de rentrer, Mathis, je sais pas, il est où là? Bon, je pense qu'il est samedi parce que c'est le dernier moment, quoi. Parce que là, ça stoppe dimanche matin s'il y a plus de sub. J'imagine qu'ils disent ça pour ça. Yo Slayer, t'as loupé Paris-Nice, on a fait l'équipe, on a gagné. Ouais, on a un peu gagné. Mais Vingo a gagné. Merci Gab pour le gift. On est à la fin. Oh oui, mais je pense que si... si ça, demain soir on va se coucher et qu'il reste moins de genre 12 heures, ça sera fini. Hein. Il n'y aura rien le lendemain matin. On a récupéré Matisse. Après Remco, c'est tellement une mentalité de gagneur. Quand ça marche pas, il cherche toujours une excuse. Ouais, mais moi je le crois hein, quand il dit qu'il avait des bonnes jambes aujourd'hui. Moi je le crois. Hein. Je pense pas qu'il a ses meilleures jambes non plus. Mais ça se voit qu'il était dans la retenue. Et ça se voit qu'il. En fait, au moment où Jorgensen et tout sortent, ça se voit, tu le vois, il se retourne, il regarde les autres, il est en mode j'y vais pas. Il hésite de fou.
Merci Lucky Luke pour le 20e mois. Donc, et pas perdre, salut, mentalité de footeux ça. Pas mentalité de sportif tout court, qui aime perdre. Pas mentalité de d'humain tout court d'ailleurs, qui aime perdre dans la vie. Comment ça, mentalité de footeux? La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Qu'un dans la roue, pour l'avoir près de moi et qui perd moins d'énergie. Si je le laisse en auto ou quoi. Où je laisse autre part, il y a un monde où il fait de la merde, donc reste très très honnête, Remco. Ouais, en vrai, quand il dit un truc, généralement, quel enfer ce grand World Game. Sa roue à lui. J'aime pas jouer dans la roue des mecs. Quand tu te mets dans la roue, l'effort de ton gars se calque sur l'effort du mec de devant. Du coup, tu gères pas réellement toi-même. Alors que là, en gérant aux chiffres et tout, c'est moi qui gère moi-même. Et le mec derrière moi se calque sur mon effort à moi, donc il fait pas de la merde non plus. Est-ce que ça va rentrer? Je sais pas s'ils sont très loin. Je pense que ça va rentrer, hein. À part s'ils sont vraiment cramés. On va voir, on va demander à Démarre de rouler aussi. Louvel va venir nous aider. Ah, c'est rentré dans la bosse. Putain, dégoûté. Ah, il faudrait qu'une autre équipe se mette à rouler là, si on veut que ça pète en fait. Parce que sinon ça pètera pas. Nouvelle crevaison. Tu roules devant. Oh mais il est enroulé, mais t'inquiète, je pense que. De toute façon il est cramé donc. On s'en fout un peu. Hein. Chute à l'instant de Utsenke. Utsenke ! Kéché total. Eh bé. Cédric Bellens chez Astana. Espérons que la suite de sa saison ne sera pas compromise. Putain, c'est un enfer. Même Van Aert en plus 1, il galère. Enfin, il galère. Il est pas full. Enfin, tout ça pour revenir à 90. Terrible. En même temps, Visma, ils s'en battent les couilles, ils veulent pas faire péter là. Ah oui, démarrage de bétiole. Chelle avec Van Aert. C'est bien qu'ils se barrent. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers. On va le cramer un peu. Choper. Parfait. Une des motos nous annonce. Niveau total après Lutsenko. Oh, respect Lutsenko, comment ça? Non, on n'a pas besoin, on a déjà. Allez, allez, faut revenir là. Faut pas laisser Van Aert partir, sinon c'est chiant. Le problème, c'est là quand Capio va s'arrêter. Est-ce que les autres vont prendre le relais? Pas trop. Ah, quoique. Ineos. On va demander à Louvel de rouler, hein, parce que si on compte sur les autres, ça va pas le faire. D'y aller là. Pourquoi je vais me découvrir alors que j'ai Louvel?
qui me régale là. Ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Tant que j'ai Louvel, il y a le vent après, je vais garder Louvel. Hein. Ça frottait trop dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Putain, il est mal tourné le vent, dommage. Attaque de Bettiol. C'est une attaque d'Alberto Bettiol. Accélération de Lewis Aski. Ouais, c'est long, 20 bandes dans le vent. Ouais, genre eux, 20 bandes dans le vent, ils font pas long feu, quoi. Décroché ! Un leader vient de se faire décrocher. Ah, il faudrait qu'il tourne. Il va un peu tourner tout à l'heure, là. On va prendre le virage. Position. J'ai plus de batterie, chef. Faut me la faire sur Discord. Allez, c'est parti. 13 bornes. 13 bornes, c'est quoi dans une vie 13 bornes? Ah, ça se regarde un peu derrière. Ça se regarde un peu. Il faut y aller, mon garçon! Dommage qu'il y a vent de face, s'ils étaient vent de dos là, on serait tellement bien. Oh putain, Van Poppel, il est bien. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent allez, de allez. Le panneau des 10 derniers kilomètres. Ça, c'est pépite quand même. J'avoue que le Bianchi en bleu comme ça et noir, ouais, j'aime bien aussi. Allez, 50 secondes, 50 secondes d'avance. 8 km. La minute va être passée. Vent dans la gueule, mais on n'a pas peur pour aller s'adjuger quand Wevel Game peut-être. Je peux venir te couper les cheveux dimanche possiblement. Ah ouais, mais chef, je vais pas me couper les cheveux gratos comme ça si c'est pas atteint. Oh, 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 oh. On essaye de me carotte mes cheveux là. Je reconnais, hein. Je reconnais. Hein. Allez, il faut que le vent s'arrête là, on en peut plus, une minute 20 d'avance. Ça sent bon, ça sent bon. Ah, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. La zone devant est finie. On va remporter Grand Wevel Game. Fais une petite placette, toi, Louvel. Grand Wevel Game va revenir chez nous. Après une belle attaque à 15 km de la ligne. En solitaire, vent dans la gueule, on n'a pas eu peur. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle fait plaisir. On rajoute une nouvelle classique à notre palmarès. Après les Stradés, après San Remo, après deux Stradés. On rajoute Grand Wevel Game sur l'armoire à trophées. Luc Lamperti fait 2, Wout Van Aert fait 3. Louvel, il arrive derrière, mais il nous aura bien aidé. Hein. Merci à l'équipe. Home 12. Bah, Arthur, si ça atteint demain soir, je te dis, mec. Hein. Celle-là, elle est belle. Hein. J'espère que le DS va nous donner un petit 80 points, là. En plus, on était leader. J'ai pas vu, c'était quoi l'objectif? Ah.
n'y avait pas d'objectif. 33 points. On a eu 3 fois plus de points qu'on a fait faire, qu'on a fait gagner Vingueux. Comme quoi, faire le tout tous les gars, ça paye. Eh oui. Eh oui, eh oui. Le Dwarfs. Ah, il y a Mathieu. Il y a Mathieu qui fait sa rentrée sur le pavé. Il avait la flemme de faire le 3 et compagnie. Oh, il y a Tadei aussi. Oh, il y a les 3. Il y a les 3, il y a les 3. Eh bien, bonjour à vous. C'est une course difficile. Pas d'up avant le round. Non, bah on monte pas assez vite. Il y aura pour Roubaix, mais pas pour le round. Termine dans le top 15. Ah, après, imaginez. On a un plus 55 là. Parce qu'au lieu de faire top 15, on gagne. On sait pas. On sait pas. Ça peut vite partir. On tente sa chance de loin. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Arthur, il est en train de négocier, il me dit. Eh, vas-y, on en a rien à foutre. Baisse le sub goal à 1003 et je te coupe les cheveux, gars. C'est un malade mental, ce mec. C'est bon aussi. Eh, pour mes cheveux, wesh. On parle de quoi, là? On parle... Est-ce comme si je... Eh, vous êtes fous. Putain. Alors, des cheveux longs. Ah oui, mais dans tous les cas, ça me ferait chier de les couper, même si j'en ai marre. Oh, tu laisses 2 ans et demi quelque chose se faire pour repartir à zéro, c'est un peu l'enfer, quoi. On coupe tout. Bah, 1005, mec. Plus de 2 vas-y. Lâche 350 gifts, Nico. Après. 350 gifts. C'est la moyenne qui a été donnée pendant les 3 premiers Happy Hour. L'eau du gros rat vient là. Tu me rembourses après. J'ai pas de sous, mec, désolé. Je suis ça bénévolement. Hein. Là, ça me rapporte 0 ce bâton. Après, attention, regardez, il est en train de partir. Vas-y, putain, pourquoi je suis trop gentil comme ça? On peut se dire qu'on avance la power de mardi à demain, mais il n'y en a pas mardi si on fait ça. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Let's go, oui. Mais par contre, c'est... c'est soit c'est le coupage de cheveux est atteint demain soir, soit il n'y a pas de coupage de cheveux, quoi. Parce que Arthur, il va pas venir lundi ou mardi. Wesh, pourquoi tu veux pas, mec? Pourquoi? Mais Colby? Pourquoi, mec? Tout le monde dit oui sauf Colby. Ça s'agite à l'avant.
Fais une journée à pied. Oui, bah oui, toujours plus, Nico. C'est ça le problème. Je vous donne ça, on me prend ça. Un day à pied. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, par contre, si je vous fais ce cadeau et que demain les cheveux sont pas atteints, je serais déçu. Hein. On aura fait ça pour rien. Cœur de main, c'est la dernière ce bâton. Je pense en vrai. Seront atteints un autre jour. Oui, d'accord, mais le but c'est que Arthur vienne me les faire, quoi. C'est plus drôle. S'il vient, il va essayer de me faire des coupes chelous en plus, il va essayer de me faire un buzz cut. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Van Aert est déjà parti, hein ? Encore une crevaison. Oh, j'ai jamais fait ça, Saliem. Check sur Google peut-être, ou demande sur Discord ou dans le chat, quelqu'un peut t'aider, mais ça j'ai jamais fait. Modifier l'image d'un coureur ou les changer. En plus, Colby, il fait le buzz cut avec nous, les gars. Si ça atteint demain, il m'a dit. Tu repasseras. Mais t'as pas compris, Colby, il ne peut pas passer. Il peut passer que dimanche. S'il ne passe pas dimanche, il passera pas. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. De A à Z en changeant le nom des coureurs et les photos. Non. Non, j'avoue, non. À l'ancienne, je modifiais les noms des régènes, je mettais les subs. Les noms des subs. Mais je changeais pas les photos, quoi. J'allais pas jusqu'à là. Ils sont encore devant les... Mais quoi, mais... Mais c'est une folie. Ils ont qu'à donner 50 maintenant, ils passent dimanche. Mais tu sais très bien que ce sera pas le cas, Colby. Tu le sais toi-même. Hey Colby, l'achat, dis pas on, tu participes pas. Regardez-le, essayez de gratter là. On, il a dit. On, magnifique. Capio, ouais, ouais. Et le truc, est-ce qu'il roule vraiment? Ouais, ouais. Ah putain. Sinon, 350 subs ce soir sans Happy Hour, Colby se coupe les cheveux aussi. Ça doit être ça, ouais. Le rat qui fait un gift. Merci Colby pour le gift. T'es trop sympa, mec. Non, je pense qu'on peut... Oui, on peut se dire ça, ouais. Fais pas mardi, mais demain, mais c'est le dernier, par contre. Il y en aura vraiment plus jamais, genre. C'est l'ultime rush, quoi. C'est l'ultime... l'ultime Happy Hour. Ouais, Big Bambi. Tiens, jusqu'à 100 MO. Ah non, 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 peu importe jusqu'où on tient, hein, c'est le dernier de chez dernier, là. Attends, j'ai envie de tester un truc. Moi, je suis sûr, c'est Nesh, il nous aide. Colby, lâche ça, mec. T'es en train de te ruiner, là. Merci, Colby. Train de la hype. Le directeur sportif ne devait pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton.
Dire que le génie qui a eu l'idée de la pure, ne s'est pas enlevé sa veste. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. J'ai Colby pour les 10 minutes. Putain, il est con ce mec. Il vient de repousser Palworld à 10 minutes de plus, Colby. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Van Aert est en fringale. Moritz est loin de la fringale, par contre. Matej Moritz vient de porter une attaque. Et tout le monde laisse sortir tout le monde, là. Il n'y a personne qui veut gagner. Oh, c'est effrayant de dire ça alors que je ne veux pas non plus, mais... Vas-y. Oui, Trisben. Nous annonce une chute, mais qui n'a pas eu de conséquences sur la course, semble-t-il. Ça a combien le train? Et c'est trois personnes différentes, chef. C'est trois personnes différentes qui font un sub ou qui gift en moins de 5 minutes. C'est comme ça le déclenchement des trains. Là, tu peux en faire 50 millions d'affilée. Hein. Si t'es tout seul, ça déclenchera pas. Il a eu 0 sur 20. Il est vraiment trop bête. Regardez-le. Rendu Palworld. Ah oh, putain. Bon, Van Aert s'est ruiné sa course. Ouais, Visma va devoir miser sur quelqu'un d'autre là. Il y a Moritz devant, mais ah, Moritz en vrai, attention hein. Il a une belle barre hein, pour avec une minute d'avance. L'accélération de la porte. Pogacar est là. Oh, Pogacar, champion du monde sur des pavés. J'avoue, ça a une sacrée classe quand même. Non, j'avoue. J'avoue, c'est quand même plutôt classe. 15 km de l'arrivée. Genre là, tu vois le DS et le jeu, il peut pas se dire, tiens, au vu des barres, c'est Neige, on lui donne c'est Neige. Oh non, c'est sérieux? Les coureurs approchent de la... Mais gros, il y avait un demi-mètre, il soude ma gueule. Le panneau des 10 derniers kilomètres. Oh putain, c'était en attaque haute, je suis dégoûté. Ah, oh, quel dommage. Christophe Laporte vient de tomber. Oh, il était avec nous, Bébou. Il revient quand même. Oh, le marquage à la culotte. La porte, il a eu le temps de tomber, se relever. J'étais dans la roue du bon. J'ai pris une roue au pif, j'étais dans la roue du bon. Putain, je suis un putain de génie du mal. Je suis un génie du mal. Allez! Allez, Florian! Allez, merci, Florian! Je te la rendrai! Oh, la pire victoire de l'histoire! Victoire sur le Dwarfs! Après Gant Wevelgem, nouvelle classique!
devant Florian Vermeer chez Matej Moric. C'est la première fois, on a toujours la mauvaise roue. Comme par hasard, là, on a la bonne. La chatte. Allez, on subgif pour fêter cette win. La chatte, Colby, putain, qui lui dit... Quel braquage. Quel braquage, quel braquage. Chute collective. Les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Quelle heure le multi? Vers 21h les mecs. Peut-être un peu moins, mais... En vrai, Dwarfs... Bah, je pense qu'on se fait rond de Roubaix après Roubaix. Hein. Est-ce que... Objectif top 15. Est-ce que ça va nous donner... Ça vaut quoi, Soro? Est-ce que ça va nous donner assez pour la win? Enfin, pour la win. Pour passer le level avant le round. Où il faudra attendre Roubaix. On n'a pas eu le up là encore, non. Plus 20 points. En vrai, vu que c'était top 15, l'objectif, il y a moins que ça soit plus haut. Hein. Parce que sans objectif, quand on a eu le game, on a gagné. On a eu 35. Combien, je sais plus. Plus de 50. Exactement, je sais plus. Encore, il y a 6 up encore. Putain, hey Florian, je vais m'en souvenir longtemps. On va t'acheter avec la PCT à terme, Florian. Voilà, je te le dis. Je te le dis, Florian. Ah, je suis dégoûté. Oh non! Oh putain de merde. Après, quoi qu'il arrive, après le round, c'est cette semaine. Quoi qu'il arrive, après le round, on a le up. Donc, cher. T'as vraiment trop la rage, Colby. C'est dingue. C'est dingue d'avoir la rage à ce point. C'est dingue. Bon, du coup, on valide ça. Écoutez bien, parce que je ne le répéterai pas. Donc si vous voyez quelqu'un le demander, machin, c'est quand, machin, on fait quoi, et il y a quoi, il y a machin, ok. Front Van Vlaanderen. Demain soir, dernière happy hour, quoi qu'il arrive, du ce bâton, que ça dure encore 2 semaines, on s'en fout. Dernière happy hour. À 20h. De 20h à 20h30. Ça crée quelque chose de mauvais, je réinstalle LOL là, vérité. De 20h à 20h30. Et si demain soir on atteint les 1500 subs. Eh bien, dimanche, il y a Arthur qui vient et qui rase toute cette touffe de 2 ans et demi. Donc voilà. On se dit ça. Mais après demain, faudra pas demander. Et c'est quand la pure machin, il y en aura plus. C'est la dernière. Pour la dernière, laisse-la 1 heure. Eh, vous négociez. Eh, 3 quarts d'heure. C'est bon ou pas? Eh, poire en deux, c'est bon. Putain, c'est une dinguerie de négocier autant. Putain. Non, allez, vous savez quoi? Oh, on s'en bat les couilles. Allez, ça sera une vraie happy hour. Ok, ça durera 1 heure. C'est dans le nom, happy hour, ça durera 1 heure. De 20h à 21h. Putain, mais il m'a niqué, c'est trop grave. Putain. Ceux qui négocient vont rien mettre. C'est trop grave. Bon, demain, dernière happy hour, et elle dure toute l'heure. 20h, 21h. Sachant que sur les 3 premières happy hours de la semaine dernière, du week-end dernier, il y a eu, je crois, c'est 300, 350 et 300 subs. Donc techniquement, demain, on a les 1500 et on a le rasage de crâne. Et du coup, dimanche, Arthur, il vient et il rase la tête. Il me tente de faire un buzz cut. Bien sûr, le message est accepté. Bah ouais, mais en vrai, il a raison. Il faut... Vas-y. C'est la dernière, faut marquer le coup.
Donc, si vous voyez des gens demander machin, faites tourner. Hein, et voilà. Et c'est tout. Et c'est tout, et c'est tout. Bon, je vous mets une prédit, victoire oui, non. Hop là, 2 minutes. Bonsoir, Sti Chauve. 2 minutes, victoire oui, non. Est-ce qu'on gagne le round? Nos stats. 77 pavés, 78 endurance, 81 résistance, 73 vallons. Je suis pas là, faisant une petite là. Putain, Nico! Petit quart d'heure rapide. Non, 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 putain, je vous donne une heure demain, vous demandez plus! Oh. Cinq minutes. Mais, hé, hey, vous renégociez là? Y a rien demain. C'est bon ou pas? C'est bon? Quelle heure demain? 20h, 21h. Il force là. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Hein. Enfin, 20h, 21h ou 21h, 22h. Bon, du coup, vous avez très vite remarqué. Bon, à tout moment, on va avoir plus 3 quand même. Mais nous sommes en. Comme ça. Mais bon, c'est, ça n'existe plus. Ah non, je suis dans le jaune. Bon, vous verrez quand même à Roubaix, quoi. Allez, ça part. Dernier moment pour mettre vos points. Eh putain, si avec tout ça, demain, vous atteignez pas les 1005, je vais vous en vouloir. Hein. Je vous le dis. Hein. Non, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Hein. Parce que si on fait tout ça pour que Arthur ne vienne pas. Et que je dois... Parce que moi, je vous le dis, moi, je pense aussi à mon crâne. Ok, c'est bien drôle. On va les atteindre, les 1005. C'est pas mon problème. C'est... Je devrais raser. Mais si je dois raser tout seul, il y aura des touffes, des trous de partout. Au moins, Arthur, il sera là. Donc, s'il vous plaît, juste pour mon crâne. Je ne veux pas avoir des trous et des touffes qui restent derrière les oreilles et partout, quoi. Moins un. Yep, on n'est pas leader. C'est bon ou pas? Ils ont mis qui leader qu'on rigole? Personne. Que des baroudeurs. Birman, Smackley, Decker. Et moi et Sénéchal, équipier. Mais. Daco van der Horn qui accélère. Bah 2000. Mais tu veux quoi à 2000? Il a fumé quoi le DS? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Ah, ça va être dur. Ça va être dur déjà faire une petite placette. L'an dernier, on avait fait quoi au round? Je crois on avait fait 13, 17, je sais plus. Ah non, on avait fait Roubaix, on avait fait. On avait fait hyper loin, je crois. On avait même pas fait top 20. Le Franco. À 2000, tu dois t'inscrire sur une course FFC. Non, mais non, non. Nico, j'ai dit pas de vélo. 2000, tu tures, se rase aussi les cheveux. De faire un CS6, il te laissait à 1499 et a pris la plus haute dimanche le dernier sub. Bah oui, mais non, du coup, semi-marathon. Arrêtez de vouloir me faire des trucs sportifs, j'aime pas. Je suis bien moi à jouer à PCM. Laissez-moi tranquille. Et attends, Arthur. Eh hey mec, le chat il vient de proposer, s'il y a 1005 demain, je te refais le dégradé aussi. Voilà, et t'as dit oui, donc merci mec. Donc n'hésite pas à venir. Bonne idée ça. A plus tantôt.
Pas un sourcil. Ouah, laissez-moi tranquille, lâchez ça. Putain, hey, je me donne pas assez là? Pourquoi toujours me vouloir du mal? Unicef, ça crée un maillot IRL PCT. Mais est-ce que c'est même possible ça? En vrai, je sais pas comment on crée un maillot. Comment faire un maillot. En vrai, vous savez que premier degré, faire un maillot, ça. J'ai déjà eu l'idée ou quoi, mais ça peut être grave masterclass avec un bon design et tout, mais. Je n'ai aucune idée de comment on pourrait faire ça, genre. Ah, de Kavlog, Punta Cana, entre copains. Tu demandes à Manu, il te le fait. C'est grave cher, je pense. Bah moi, en fait, c'est ça que je me dis. Je me dis que faire un maillot, ça coûte hyper cher. Ça doit coûter hyper cher. Teinture blanc à 2000. Alors, qui lui dit? Qui lui dit que sans cheveux, il n'y a pas de teinture? Teinture sur le crâne. T'as le crâne mais tu mets une bombe de couleur sur le crâne. Ah putain. On nous informe par radio qu'un coureur vient d'être victime d'une crevaison. T'as le crâne. Bah oui, bah oui. Ah oh, ouais. Eh, venez à 2000, je saute par ma fenêtre, genre. Dinguerie. En regardant sur internet avec un design sur mesure déjà fait, 80 euros l'impression. 80 euros l'impression pour un seul maillot. Bonne idée. Super sympa ça les mecs. C'est pas cher, Manu il le fait. En fait je me rends pas compte ce qu'il faut faire, c'est genre... genre si je veux un stock de genre 100 maillots, je dois donner autant d'argent. Et genre on me le fait genre. En fait, je sais pas comment ça marche. Plus tu la demandes, moins ça coûte cher. Dis maillot 67 euros pièce, 50 euros pièce. C'est-à-dire, tu veux 50 maillots, tu dois débourser 2500 balles. Pas rentable, t'auras pas la qualité. Parce que ouais, il faut de la qualité, faut aussi que ça soit pas hyper cher. Genre moi je me vois pas, imagine ça coûte 80 balles à faire, ça veut dire que t'es obligé de le mettre à plus de 80 balles. Je me vois pas arriver et dire aux gens, bah tenez regardez j'ai fait un maillot mais c'est le prix du maillot Quickstep quoi. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Mets le design en ligne, tu commandes les résas avec livraison M plus 1. Merci Liam pour le gift à Victor. 2000, tu te tatouilles Graal, alors. Ah bah oui, mais non, attends, PCT, c'est impossible de le faire, le maillot. On peut pas commercialiser un truc où les sponsors sont des vraies marques, genre. Ou alors, faut qu'au lieu de Ricard, c'est Rocky, Rokir. Et faut faire des faux noms à la PES, quoi. Bah oui. Ah oui, non, c'est vrai que... Je suis
l'équipe de Van Barle. Ricassou. CGA, CMM. Ah putain. Yo Max Tia. Maillot de Wish. C'est qui sur Twitter? C'est quel compte sur Twitter? Ils avaient fait leur maillot là. C'était dans la musette, non? C'était le groupe Eto. Je sais jamais. Je me souviens que Poney, Arthur, Ray et Louis Kuhn avaient fait un maillot de foot. Participé à la Zilan, ils avaient trouvé un truc, ça coûtait 25€ le maillot. Oui, non, mais ça, c'est genre. C'est pour faire le maillot et te l'acheter toi-même. C'est pas pour le commercialiser. La FFL l'a fait. Ah oui, la FFL, c'est vrai qu'ils ont fait leur maillot. Je sais pas comment ça marche. En vrai, ils me suivent, j'ai déjà fait des trucs avec eux. J'aurais déjà parlé. Tout moment, si je leur demande, ils me répondent. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Opéto. Ouais, j'ai vu en Colombie là. Où t'as le chien, la voiture, le mec direct derrière. Ah ouais, j'ai vu. La vidéo elle ressemble à rien, c'est n'importe quoi. Parce que en vrai, si tu fais le. En mode précommande. Et genre, c'est en mode précommande et du coup, les gens payent. Et en fonction du nombre de précommandes, bah, tu fais ce nombre de maillots là avec l'argent qui est déjà là quoi. Mais je sais pas comment ça marche. Genre, il y a une limite quand même. Genre, si imaginons, je sais pas moi, il y a 222 précommandes. Comment tu fais pour produire 222 maillots comme ça en un mois? La sélection s'opère par l'arrière. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Ouais, faudrait se renseigner, mais je sais pas du tout comment ça marche. Ça a l'air d'être une galère. Créer ses maillots. Ouais, mais par exemple, il y a une limite quand même. Genre, tu peux pas arriver au fournisseur. Imaginons, il y a, je sais pas. Part du principe que. Un mec veut créer un maillot, il lance des précommandes et genre là, boum, pas prévu, ça explose, il y a un nombre de précommandes de fou furieux. Genre il y a 2200 précommandes. Le mec il peut pas te faire sortir 2200 maillots. Ouais, il y a zéro limite. Délai juste plus long. Décidément, il n'a pas de chance. Ah ouais, mais bon. Genre imagine, il y en a beaucoup et... Tu dis aux gens, bah vous avez payé, vous avez précommandé le truc, mais ça arrive dans 8 mois, genre. Putain, ça part déjà en couille, là. Ça, c'est pareil, quand tu fais un truc comme ça, tu... C'est quoi, tu utilises un site spécial pour les précommandes, pour les machins? Ça a l'air trop bourbier quand même. Eh, je suis un petit gars tout seul en cible qui joue à PC, moi. J'ai pas fait d'études de machin de. Radio Tour annonce une chute dans le peloton. Encore une crevaison. PS 5 mois, ce n'est pas choquant à long délai. Ah ouais? Je sais pas. Dans le textile. Sache que c'est vraiment bourbier. Pour ce que ça coûte moins cher, faut directement contacter le fabricant. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Le rythme imposé semble trop élevé. Ouais, mais je connais Chasse-Patate, Nels. Mais ouais. Le bourbier. Bon, ça a l'air d'être un bourbier. Hein. Oh. Venez, on cherche quelque chose d'autre. Après, vas-y, pourquoi chercher un truc à 2000? T'es mal comme on est loin des 2000.
Déjà atteindre les 1005. Wesh, il y a un spectacle de tam-tam devant chez moi. C'est une dinguerie. Il y a une fanfare. J'ai envie d'aller voir. Emmène-nous. Vlog-nous ça. Pourquoi j'entends des tam-tam devant chez moi, wesh? C'est quoi ce bordel? Carnaval. Merci Yaya pour le prime. Course de vélo. Alors, on sait pas. C'est beaucoup trop galère créer un maillot. Du coup, venez, on crée une équipe. C'est moins galère. Venez, on crée une course. C'est moins galère. Oh les gars. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Hors délai. Mais ça coûte hyper cher de sponsor des équipes comme ça. Avec Arthur, on en avait parlé déjà en plus à l'ancienne. Mais ça sert à rien, littéralement. En gros, c'est jeter de l'argent par les fenêtres juste pour dire, regardez, il y a cette équipe au fin fond du Poitou-Charentes. Il y a notre petit logo sur le haut de la manche là. Hop, si vous voulez le voir, ils font la course KD U19 là à côté. Chute à l'instant d'Albanese. Chute collective. Les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Mais Van Aert, il a un tapin là. Comment Van Aert et Philipsen seront trouvés devant comme ça facilement? Il est parti quand? J'ai même pas vu. Encore une crevaison. Décidément, la juste créer une asso. Oh oui, ça va, c'est trop facile, mec. Attaque de Jasper Philipsen. Elle venait juste, on trouve un truc à faire sur PCM comme des mecs normaux, genre. C'est bien aussi, hein. Allez go. 40k pour une course point 1. Ah oui mais point 1. 40k t'imagines. Tu me recrutes? T'as envie Nico? Eh arrête de mentir. Eh t'es très bien en amateur mec. T'es mieux là que à Nice. Tant en plus on en parlait ce matin mec. Nico. Genre avec Nels et le chat. Pour combien par mois tu sacrifies toute ta vie pour faire du vélo pro en Conti Pro et tout? Genre les mecs qui sont au SMIC et qui sont à 2000 par mois là. Et je ne veux pas voir leur vie hein. Je préfère bien être en amateur, t'as ta vie tranquille, tu fais ça pour le kiff. Tu vis à côté. Le K5 je signe direct je pense. Pour 2K5, je trouve que c'est tellement de sacrifices. Ah mais les gars, c'est tout sacrifié pour du vélo, vous avez pas de vie. Hein. Moi j'ai dit, hein, moi, que ce soit ma passion ou pas, en dessous de 10K par mois, je ne sacrifie pas toute ma vie pour le vélo. Impossible. Pendant 15 ans, t'as pas de vie, voire plus. C'est la passion. Ah oui, mais passion pas. Moi, je suis en mode. Oh. Encore 15 km à parcourir. T'es passionné, c'est ce que tu veux. Franchement, moi, je suis passionné de foot, de zinzin. J'ai fait centre de formation et tout. Pour rien au monde. Rien que pour. Rien qu'à déjà avoir connu l'ambiance de ce centre de formation, pour rien au monde. Je serais passé pro. Pourtant, c'est ce que je kiffe faire depuis que je suis tout petit. Je suis très bien dans ma vie actuelle et je suis bien plus heureux. Décidément, il n'a pas de chance. Un sport comme ça, tu sacrifies toute ta vie. Hein. C'est toute ta vie qui est sacrifiée. Hein. Pourquoi en Belgique? C'est pas pareil que de faire du foot ou de sport. Bah, si, c'est pareil. Tu sacrifies autant ta vie, quoi. Une
chute, mais qui n'a pas eu de conséquences sur la course, semble-t-il. Genre, moi, je trouve que c'est tellement de sacrifices. T'as tous tes potes qui vivent leur vie. Toi, t'es du 1er janvier au 31 décembre, tu ne vis que pour ça, tu sacrifies tout. Aucun écart, rien. J'aime ça. Ouais, mais bon, je trouve quand même que c'est un sacrifice quand même. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Bon, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Le moins 1 pique hein, sur un round comme ça. C'est qui devant? Ouah, c'est Matej Moric qui va gagner en solitaire là? Mais non. Je suis avec Remco. Pff. Qu'être à l'usine. Oui, mais bon, il y a un juste milieu, Nico. T'es pas à l'usine là. Genre moi je préfère. Hey, à choisir, je peux choisir. Je préfère être en amateur comme toi. Et avoir mon petit boulot à côté, faire les courses quand j'ai le temps, pour le kiff, pour la passion. Oh, je suis dégoûté. 13. Et avoir ma vie, sortir, voir mes potes, machin, que d'être en continental. Je crois que les gens se rendent pas compte ce qu'il faut faire pour être sportif au niveau. Ah ouais, je trouve que c'est tellement de sacrifices pour pas grand chose. Merci les points. Bon, avec la note, les gars, il n'y avait pas beaucoup de suspense, on va pas se mentir. Déjà qu'avec une bonne note, on est encore léger pour gagner le round. Et bien, Matej Moric. Putain, Kung, peu importe la save, c'est podium, mais pas... Oh, enlève le personne veut ton argent. Ce soir, il y a qui en multi? Aucune idée. Nelzada et Nicomal, les deux dégénérés, ils sont là ou pas? Putain, je vais devoir commencer à les payer. C'est quoi ça? Ils ont un CDI? Ils sont tout le temps là? Putain, ils vont me réclamer des dus bientôt. 0 points. Ah. Bon, c'est pas grave. On passe au premier. Qui dit premier dit... Hop! S'il te plaît. Plus 3 pavés. Intérim. Putain. Nous, on veut FG. Putain. Et mon enculé. Ouais, mais je t'oublie. Mais tu parles pas. Regarde, eux, ils discutent, ils racontent leur vie. Ça y est, c'est devenu leur loulou, le chat, là. Tu te caches, FG. Pareil, j'ai un 6 salaires. Oh, ça y est, les mecs, pour jouer en multi, ils vont vous les... Tu peux venir, FG, mec. Je savais même pas que t'étais là. Tu te caches. Je viens d'arriver. Ouais, c'est ça. Putain. Mais Mimi, elle va te tuer. Hein. Deuxième soir en 3 jours, là. Ça fait 4 heures qu'il est là. Arrête de mentir, je vois tout le chat. Ils ont un petit diamant, je les vois, eux. Chine pour un McDo, perso. Oh, arrête, j'en rêve. Oh là là, Gab qui lâche un gift à Fragada. Putain. Non mais FG, t'es malheureux quoi. Ce mec a besoin d'un gift. Les gars, vous venez de gift un millionnaire là. Sérieux. On lui offre genre. Eh ouais, t'as vu comment c'est honteux? Alors qu'il gagne plus que nous tous ici. Un train de live si je gift. Si deux autres gift, ouais. C'est 3 mec, 3 en moins de 5 minutes différents. Je prévois le retour sur investissement pour demain soir. Bon. Mais c'est nul à chier.
Mais gros, mais je me fais entuber là. Oh, je suis désolé, mais on va prendre course par étape, je crois, juste pour le up du chrono, quoi. Parce que là, là, il y a triche, là. Frère, t'as combien de pourcents? 86! On est à 86%. Non, on est à 89% en pavé et 84% en course par étape. Je me fais entuber, là. Ah, en plus, là, t'as la récup qui monte. Flop. Le vallon en PLS. Bah ouais, mais je peux rien faire, chef. T'apprécies. Voilà. Là, j'apprécie de fou, là. C'est l'heure de la première note rouge, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, par contre, le vallon, ouais. Après, je prends plus un chrono aussi, mais... Bon, on est d'accord, vaut mieux prendre course par étape, les mecs, hein. Moi, je suis un peu dégoûté, là. Je suis level 15, j'ai 82 pavés. Je suis level 15, j'ai 82 pavés. T'es le haut. Pas jeu, va. Contrat! Oh, il y a des top teams qui nous veulent. On retourne chez l'auto. Mec qui a pas compris. On reste 2 ans chez Arkea. En vrai, je suis plutôt pour. Hein. Est-ce qu'on a vraiment un intérêt à partir? Il y a multi en vrai. Oui, joli des 4. Ouais, j'avoue, là l'équipe elle donne envie. Avec Thibaut en plus au milieu. Il y a multi après Roubaix. Après mon Roubaix. EF et D4, c'est carré. EF. Badini, Nerurkar. Cepeda, Carr, Chavez, Ru, Tchekov. Oh, attention, ils sont en Contipro par contre. D4. C'est vrai qu'il y a Ben encore. Il y a Aurélien. Pas ouf la team pavé par contre. On attend de voir Houssine Tadei et on le suit. Et après avoir fait Toutou Dingue, on fait Toutou Tadei. Oh, sympa le DSM avec Grise et les Madouas. Pour le pavé. Bardé en montagne. On serait leader en montagne en plus avec Solaire, Lime Rezeux et tout. DSM, c'est sympa. Ouais, Bini Rex. Oh man, t'as été tué, il a vieilli. Eh oui. La vieillesse. Hein. Bon, je mets les points. De toute façon, on en a qu'un, donc ça va pas monter, faire changer grand chose. Ah, DSM, en vrai, niveau effectif, c'est pas si dégueu, hein. Quand tu regardes. Hein. Ouais, de toute façon, faudra attendre les principaux transferts. Ouais. EF aussi pas dégueu. Ah, il y a pas mal d'équipes pas dégueu en vrai.
Alors, Paris-Roubaix. Eh, s'il vous plaît, mettez-moi leader, j'en peux plus. Oh, j'y puis un. Un coque, mais là, ça met objectif, mais what the fuck. Mais ça met objectif, mais ça met pas prépa. On comprend rien, leur système, là, putain. Oh, il y avait des pays à Wout van Aert. On se met une prédit. Cible A ou B. Bah, la preuve, là, je suis en cible B. Donc non. Tu comptes viser quel up pour le level 22? Bon, on verra celui qui donne le plus des deux. Est-ce qu'on l'aura cette saison façon le level 22? Oui, sûrement en vrai. On est début avril, je pense. En fonction des perfs et tout et du tour. Ça vaut quoi, Rafale? Je vois quelle cote là, ça bug là, non? La cote est très mauvaise. Waouh. Que t'as 14 là? Après, je comprends. En vrai, je comprends. Putain, si j'ai plus 3. Aïe, 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 il y a des gens qui niquent la cote. Ah, ils ont sauté dessus, hein. Cote à 6, ils se disent, c'est le moment. C'est le moment d'investir, là. C'est passé d'une cote à 14 à 6. Mais vous savez qu'il y a plus de mecs qui ont voté oui que non. Hein. C'est juste que non, ils ont mis des gros 250 000 en mode c'est sûr. Je suis désolé, le FC8, je vais en voir. C'est Adrien qui a mis le plus sur le 8. J'ai pas envie de le voir riche, donc... Plus 1. Plus 1, plus 1. Terminé dans le top 30. Et on a quelques équipiers. Wesh. Il a quelle forme pour avoir avec plus 1, avoir des moins 4? Mais il est maboule ce mec, pourquoi il est venu sur Roubaix? Mais qui est ce DS? Qui est-il? D'où vient-il? Non, c'est n'importe quoi. On soude ma gueule. Bon. Van der Poel, moins 1. Chance. Van Aert, plus 2. Oh putain, il va être fort. Oh le bâtard. Kung, moins 1. Pedersen, plus 1. Madouas, plus 1. Moric, plus 1. Ghana, plus 3. Oeil. Ok. La strat, espérer que Van Aert attaque de trop loin et fasse le kiki. Et après, les autres sont peut-être battables. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Si c'est le plus moi ou pas de rien? Oh non, mais pas de rien, je l'adore. C'est mon modo préféré.
Non, je pense que ça se joue entre toi et Ketao. Hein. J'ai 97% de forme depuis 3 semaines et seulement 30% de fatigue, comme si j'avais mis un pic. Ah oui, les barres. Ah bah oui, mais c'est ce que je t'ai dit, je t'avais expliqué, Colby. Première saison, tu fais ça, mais rien qu'avec les courses, en fait, tu montes. J'ai rien fait. Cavendish hors délai aujourd'hui. Ah non, j'ai pas vu, c'est vrai. Sur Tirreno. Ah. Bah, dommage pour dimanche. Après, dimanche, ça a assez vallonné le début, donc... Plus normal. Oui, non, mais en gros, même si tu laisses en vert tout le long, ta forme, elle va pas rester à 75 tout le long, genre. Totalement con du coup. Arrête de râler, putain. Fais chier à râler ce mec. T'as gagné le round. Oh non, 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 on était très loin, on avait moins 1 et tout. On a fait 13, 14, je sais plus. Bon, l'an dernier, on a fait en dehors du top 20 sur Roubaix. Est-ce que on va faire mieux? Putain, j'avoue, la petite note rouge. Putain, il manque juste un petit plus en sprint et c'est bon, hein. Le ballon à up serait pas de refus. Ah ouais, mais je suis d'accord. je suis d'accord. Après, est-ce qu'on se dirait pas peut-être de modifier les entraînements pour que ça soit le ballon, entraîner le ballon au lieu du course par étape? 77 montagnes, 74 chrono, c'est pas énorme. Hein. Mais bon. Gagne ou joue pas? Ouais, je vais faire exprès de perdre alors. Bénef. Y a pas de dilemme là, c'est juste un bonheur absolu. C'est pas bleu pour mieux up. Ah oui, je suis d'accord. L'idée en vrai et la forme du pro cyclist est pas mal, moi je trouve. C'est plus simple, c'est en tout cas il y a de l'idée. Maintenant, ça a peaufiné quoi, parce que là c'est pas non plus au point, je trouve. De toute façon, t'es FK fossile. Le fait que cette vanne, même le chat la reprenne maintenant. Ça me régale, fossile, c'est bon pas? Gotu fait Roubaix et il est en train de rouler. On est sur Paris ou... C'est pas peut-être qu'il y a Lorenz Pitti derrière, hein, hein. On sait pas, hein. Qu'est-ce qu'il fout là? La Wiss, oh, qu'est-ce que tu fous? Il est déjà en fringale. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Dans quelques instants, on la trouée d'Arambert, la forêt de Wallers. Trouée d'Arambert, ce secteur Jackie qui fait peur à tous les coureurs. Et à chaque fois, celui qui sort en tête de cette tranchée d'Arambert, en général, on le retrouve sur le podium à Roubaix. À ce moment-ci de la course, les gars, je vous explique pour ceux qui regardent pas trop Roubaix, Sagan était déjà plus là pour son dernier Roubaix. Pourtant, il reste beaucoup, hein, mais... C'est dire le nullard que c'était, hein. Dernier tir de la course, les leaders sont concentrés. J'ai été hier à la trouée. En vrai, hey, c'est grave impressionnant quand il est à pied. Sagan pue sa mère. Ah, merci, merci. Dis bien, dis bien. T'as décidé de dire des faits. Hein. Merci de l'info. De rien. Hein, ce jeune Slovaque dont on parle tant. Peter Sagan. Non, en vrai, ouais, je disais la trouée. Sur l'étape du tour, j'avais été à la trouée aussi. Il y avait eu les pavés du tour. L'arrivée était pile devant la trouée. Mais... Ouah, quand tu y vas et que tu le vois de tes propres yeux, et même que tu marches dessus, tu comprends l'enfer que c'est.
Et là, tu comprends très vite comment ces dégénérés qui sont sur leur bicyclette là font cette course. Parce, et se tapent tous ces secteurs-là, là. Parce que, et je ne rigole même pas, rien qu'à marcher dessus, c'est un enfer. Et alors, imagine un vélo. Prends un tel pressing sur Peter, parce qu'il y a fossile, mec. Juste pour ça. Hein. Je suis allé à Mons en PV, le what the fuck. C'est un enfer. Hein. Le guerre mondiale là-bas, c'est impressionnant. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Hein. Je ne sais pas, premier degré, quand j'ai mis mes pieds dessus. Première chose que j'ai dit, j'ai fait, mais comment il n'y a pas des morts quand tu rentres sur ce truc? Ils arrivent normal, en plus, quand t'arrives dans la trouée, c'est faux plat descendant, boum, ça se rétrécit, t'as le passage à niveau. Mais comment ces mecs tiennent sur le vélo, genre? Comment il n'y a pas comment c'est une dinguerie. Ils arrivent vite. Après, j'imagine que plus t'arrives vite, mieux c'est. Je pense qu'un secteur pavé, plus tu le fais lentement, plus t'as les secousses, plus t'as les trucs, plus c'est un enfer. Mais dans tous les cas, c'est des dégénérés. Faire cette course là, 260 bornes avec tous ces pavés là. Frère. Démarrage de Florian Vermeers. Ah, super. Super ça. Enfer. Ah ouais, mais. Et du coup, le Roubaix en automne là, 2021 où il pleuvait des cordes. C'est encore pire, putain, comment c'est possible? C'est une échelle qui en met une. Regardez sa barre jaune, ce débile. Alors, désolé, il faut dire les termes au bout d'un moment. Regardez-le là. Putain. C'est ces mecs-là qui ont des plus 3 sur Roubaix, putain, des plus 2, pardon. C'est une dinguerie! Zato, ciao. Déjà, moi j'habitais dans une ville, c'est que des pavés partout, mais ça reste des pavés de ville. Alors, il y a des endroits, c'est plus ou moins délabré ou quoi, c'est plus ou moins des pavés chiants, mais ça reste des pavés de ville. Ça, c'est rien comparé à tous les secteurs qu'on voit là. C'est déjà trop chiant. Mais alors, ça, dès que je prenais mon vélo, j'avais envie de crever. Ces mecs sont des héros, hein. Je pèse mes mots. Hein. Van Baal qui y va. Plus 3 Van Baal. On a de la chance qu'il attaque de loin. On a de la chance, on a de la chance. Parce qu'il aurait clairement pu être leader chez Visma. Nouvelle crevaison. Après, putain, mais Van Baal plus 3 qui est de Van Aert plus 2. C'est bon ou pas? Matteo Trentin. Ouh là 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 là, mais quelle chute spectaculaire! Ton chez Visma peut être leader, c'est vrai. Mons en PVL! Nouveau secteur 5 étoiles! Encore une crevaison! Ah. Je crois qu'on va plus avoir que David pour nous aider. Je vois Sénèche devant. Oh, Moric. Moric qui s'est cramé la gueule. Ça va être très dur si Van Aert fait pas son petit coup de loin. Quand même, VDP et Kung, tu vas me dire. Faut qu'ils se mettent à attaquer là, sinon ça va être chaud. Ça va être chaud de les battre. Il m'écoute, je suis sur écoute. Je suis sur écoute, j'ai juré, je suis sur écoute. Nouvelle magnifique. Magnifique wout. Vient de reprendre le groupe d'échappée. Oh, c'est déjà fini. Accélération de Turner.
Putain, il a rien perdu, le salaud. C'est une échelle qu'on remet une. Bon, il se dit, tiens, j'ai le jus pour tenir 40 bornes en attaquant. Ça qui est marrant. Si tu gagnes 10 subs. Oh putain, ça va être dur, chef. Te donner, mais. Au moins, on aurait regardé un équipier au moins jusqu'à la... jusqu'au carrefour de l'arbre. Van Aert qui en remet une avec VDP. Pitcock, Pedersen, Wright. Elle a trouvé. Quand c'était l'étape du tour, là. C'est quoi, c'est 2022 étape du tour. Ou 2023 déjà. Non, c'est 2022. 2023, j'ai pas été. Putain, mais même en enchaînant les attaques, il a plus de barres que nous. Ah non, j'ai rien dit, j'avais pas cliqué dessus. Il est en train de se cramer la gueule. Regardez-le, regardez sa barre, quasiment à moitié vide. Magnifique. Il a pas donné un coup de pédale. S'ils ont un Bourgel. David terminé. Attaque de Christophe Laporte. Avec Clark devant Taco, le clim du siècle. Hein. À la fan zone où on était, que des Néerlandais bourrés qui ont célébré la victoire de Taco pour que quand la photo finish se mette sur l'écran, tout le monde se rassoie et se tienne la tête en mode pourquoi on vient de célébrer pendant 10 minutes. J'étais à Lisieux, ouais. 2023. Voir l'énorme Nicolas Mal. L'énormissime Nicolas Mal. Ouais, ouais. Totalement. Oh, un démarrage de Mathieu Van Der Poel. Bon allez, ça va être parti. Canfin en PVL, carrefour de l'arbre juste après. Putain, comment ça tremble. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. On est pas mal, hein. Je vous jure qu'on est bien. Attention, un leader est carrefour de l'arbre. Accélération de Pedersen. Avec Ghana, Kung. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Ça va se regarder forcément. Ils sont quasiment cramés. Encore une crevaison. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Nouvelle crevaison. On est là, on est dans le coup. On est dans le coup, on est dans le coup. On est dans les 6 meilleurs de ce Paris-Roubaix. Et à partir de là, tout est possible. Je sais pas ce qu'on fout là, mais on y est. Rentrez sur le vélodrome. Rentrez sur le vélodrome. 6 hommes pour une victoire. Fred White a l'air d'être le moins bien. Ah, j'ai pas le jus pour attaquer. C'est dommage.
Faut anticiper. Faut anticiper. On sait jamais. Faut peut-être anticiper. Oh non, dommage. Victoire de Pedersen. Devant votre Van Aert et VDP, on fait 4. Aïe, 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 dommage. Ah, ah, dommage. On viendra plus fort l'an prochain. Incroyable quand même. Qu'est-ce qu'on fout avec ces mecs-là? On avait que plus un. Putain. Ça a beaucoup coulé le long de ma jambe. Putain, on a un poil plus de jus, on peut tenir. Moi, je pense qu'on fait bien de lancer en premier, hein, parce que face à des mecs qui ont 80 pavés, enfin sprint, pardon. Du coup, voilà. On n'a pas gagné, chef. Merci Vejano pour les 10 gifts. Merci beaucoup. Ah, c'est un nom. C'est le nom qui l'emporte, mais pas loin. Pas loin, pas loin. J'ai failli vous régaler, là, le 8, là. Yo, Thibaut. Du coup, Mats Pedersen prive les deux monstres de d'un sacre, hein. Eh oui, eh oui. On a eu le up, ouais. Bon, bah, on arrive dans le groupe de 5 qui joue la gagne. Je pense qu'on peut quand même être fier de nous. On finit avec Pedersen, Van Aert, Van Der Poel, Kung. Nanana. On compare les stats, qu'est-ce qu'on fout là? T'es quatrième grâce au up pavé. On n'a pas pris le up pavé. Putain, si on l'avait pris, on gagnait. 51 points. Eh bé, c'est des bonnes classiques quand même, hein. La session du jour, Paris-Nice, on joue l'équipier modèle pour Vingegaard et il gagne. Et on va pas se mentir, on a été très utile pour lui pour empêcher Jurgensen d'aller le chercher. Ah, franchement, le travail dans le Col d'Aise, il est magistral. Hein. Il est magistral. Quatrième de San Remo, le 3, on finit le fond de top 10, non? Je sais plus. On gagne Gant Wevel Game, on gagne le Dwarfs, on fait 14 du ronde et on fait 4 de Roubaix. Les prochaines courses sur Amstel, Liège, Romandie. Tour de Suisse, CN, Tour de France, Sanseb, Vuelta. Attends, je peux rajouter les petites semi-classiques italiennes en fin de saison, là, je pense. Avant Lombardia. Préparer le Lombardia. Hop, voilà. Voilà, le calendrier est vraiment complet, là. C'est un spoil de cette année. Putain. J'y fais 8. Aïe, aïe. Soir, Auric. Tu fais pas la flèche. Non, on fait pas la flèche ni Liège. Ah si, on fait Liège, pardon. On fait pas la flèche, juste la flèche. Bon, on s'est dit l'Amstel. Bah, ça fait le petit côté RP avec les Flandriens qui continuent généralement jusqu'à l'Amstel. Ça peut convenir. Liège, bon, on sait jamais. On sait jamais. Mais la flèche avec notre ballon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais si on continuera le Pro Cycliste une prochaine fois, prochaine session. On va partir en multi, open lobby. Sortez vos jeux. Allumez vos PCM, allez dans l'onglet multi,